L'info plus sur RTL de Belfort-Montbéliard. L'artiste Jeff Mougenot lance le projet Noark 2492, une bande illustrée unique intégrant diverses formes d'art et notamment le body painting. Si vous souhaitez contribuer à cet événement, une cagnotte est disponible. On fait le point avec Jeff Mougenot qui partage ses ambitions à ce sujet. Le body painting, c'est la transformation, c'est apporter au corps quelque chose de nouveau. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'avant le body painting, j'élabore des costumes et des accessoires. Et après, j'élabore mon body painting en fonction des emplacements que j'ai choisis. C'est un projet dont j'ai écrit le storyboard en 2008, donc qui reprend une histoire futuriste, de science-fiction. C'est un mélange artistique, effectivement, parce que dedans, on va retrouver à la fois de la sculpture, de la peinture, des illustrateurs, la littérature. On a aussi la photographie, l'infographie. J'espère qu'il y aura la musique, parce que le but du projet, c'est de le porter sur scène avec une sorte de comédie musicale, avec de la danse, de l'art du feu. Le terme bande illustrée, c'est un terme que j'ai inventé. Pour moi, c'est une sorte de roman photo, un recueil de chansons, un comics. C'est une planche. On va retrouver des photographies sur fond vert. Et dans les bulles, on va y intégrer dedans une page sur deux des chansons. Le but, c'est de trouver un maximum encore d'âmes charitable pour pouvoir participer au projet. Et il y a une précommande, une collecte sur Hello Asso. Ensuite, on pourra se la procurer par correspondance ou sur les événements auxquels je participe. Et la sortie de la bande illustrée est prévue pour mai ou juin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site jeffmougenot.com. L'actu bonus sur Fun Radio Belfort. Enjoy the music. Fun Radio. Fun Radio.